Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie d'une série qui s'étalera sur 5 épisodes. Mais si je devais être plus exact, ce travail relève plus d'un feuilleton en réalité. Alors si d'autres fois j'ai pu vous recommander de bien prendre soin, de commencer par le début pour ceux qui nous rejoignaient en cours, ici c'est indispensable pour comprendre les jeux d'alliance qui se mettront en place entre les personnages. Là où ce récit peut résonner différemment pour ceux qui suivent interludes hip-hop classiques de longue date, c'est qu'il s'inscrit dans la droite lignée de séries que j'ai pu réaliser par le passé, et vous aurez une nouvelle raison de constater que ce monde est petit, notamment par l'implication du rappeur 50 Cent ou du gangster Supreme McGriff dans une espèce de spin-off totalement parallèle à leur propre contentieux et que j'ai déjà eu à traiter par ici. Cet épisode est disponible en audio sur des plateformes comme Spotify ou Apple Podcast et en format vidéo sur YouTube. Pour rappel des faits, on a vu lors du premier épisode la naissance d'un cartel de la drogue à Brooklyn au début des années 90, du nom de CMB. Cette organisation qui s'était emparée du marché LG Projects était dirigée d'une main ferme par deux frères, Myron et Damien Hardy, aussi connus sous les noms de Wise et Word. Leurs perspectives de règne sans partage les amèneront vite à se heurter aux ambitions criminelles d'un autre trafiquant originaire du même quartier, celle d'un certain Ivory Peanut Davis. Le clash aboutira sur plusieurs confrontations entre leurs crews respectifs, avant qu'il atteigne un point de non-retour par le meurtre de Wise. J'avais terminé la première partie sur une note assez énigmatique, je dois le reconnaître. Je vous expliquais qu'au début des années 90, Taz, l'un des membres du gang CMB, a vu son père accidentellement tué lors d'un braquage raté. La justice rattrapera le principal suspect avant de le condamner, il s'agissait d'un dénommé Tyrone T-Rock Bomb. Et j'avais conclu en disant que T-Rock n'était autre que le frère de Daryl Homicide Bomb, l'auteur présumé des fameuses 9 balles dans la tentative d'assassinat du rappeur 50 Cent en 2000. Il est désormais temps de préciser les choses quant au rôle exact de 50 et Homo dans cette histoire. Dans la journée du 24 mai 2000, peu avant midi, trois amis venaient de se retrouver dans une voiture au niveau de la 161e rue du quartier de South Jamaica à Queens, New York. Le dernier arrivé venait de claquer la portière en prenant place sur la banquette arrière. Un check échangé, deux fous rires plus tard, l'ambiance semblait encore aussi relâchée que la queue de détente de leur flingue sous la ceinture. Mais le calme est toujours précaire, et ce mercredi matin allait en être un nouvel exemple. Le conducteur n'avait pas encore enclenché le contact qu'une autre voiture s'était discrètement stationnée derrière. Pendant qu'un homme était resté au volant, un autre en était sorti arme au poing. Le parapide s'était approché de la première voiture, son bras tendu vers le bas et l'index prêt à faire feu. Au niveau de la vitre arrière droite, il s'est soudainement arrêté avant de laisser les rafales de son calibre faire la conversation à sa place. Plus tard, on dénombrera une dizaine d'impacts, dont 9 avaient atteint l'un des occupants. La démarche était claire, la préméditation évidente et l'issue fatale. Dans les heures qui suivront cette fusillade, le bruit courait déjà. La mission avait été rondement menée puisque les balles avaient fait leur travail, ou tout du moins croyait-on. Il se disait que Curtis James Jackson, troisième du nom, était mort. La vérité, c'est que depuis plusieurs semaines, la tête de ce rappeur en herbe avait été mise à prix. En cette fin des années 90, ça faisait quelques temps déjà qu'il essayait d'embrasser une carrière dans l'industrie musicale, sous un pseudo encore inconnu du grand public, 50 Cent. Et s'il est bien un mérite que personne ne peut lui contester depuis ses débuts, c'est cet aplomb à ne reculer devant rien pour faire parler de lui. À cette époque déjà, il aiguisait ses armes dans un art où il passera maître bien des années plus tard, la stratégie de communication par le buzz. Si le hip-hop ne voulait pas lui montrer une juste reconnaissance de ses talents, alors autant renverser la table, puisque d'une extrémité à l'autre, tout restait préférable à être simplement un rappeur de plus parmi tant. En août 99, alors fraîchement signé chez Columbia Records, une division du groupe Sony en ces années-là, il prendra le pari osé de se faire un nom en s'attirant les foudres de ses pairs. Dans le cadre d'une bande originale, celle du film In Too Deep ou Gangsta Cop dans sa version française, avec LL Cool J et Omar Epps dans les rôles principaux, 50 fera sortir un titre que bon nombre d'entre vous connaissent, How to Rob. Dans son historique, ce son est certainement le premier dans la chronologie de ses morceaux les plus notables. Et pour faire court, cette chanson que beaucoup lui avaient déconseillé de sortir, pour les réactions qu'elle était vouée à engendrer, était a priori l'antithèse de ce qu'un jeune artiste devait faire pour entrer dans les bonnes grâces du milieu.
Sur How to Rob, 50 expliquait sur le ton du sarcasme, la manière dont il s'en prendrait pour braquer un tas d'artistes très connus, comme Puffy, Master P ou les gars de Wu-Tang. Et comme prédit par certains, c'est ce qui lui créera pas mal d'inimitié avec d'autres rappeurs. Par la voix de Raekwon par exemple, Ghostface lui répondra sur l'interlude Clyde Smith de son album Supreme Clientele. Et de son côté, Jay-Z ne se fera pas prier non plus pour répliquer sur son volume 3. Yo, that nigga 50 Cent? That's yo. I don't even know why he tried to do that little bum ass shit right there. Go against Jigga, your ass is dense. I'm about a dollar, what the fuck is 50 cents? Hot shit kick a nigga. Au début des années 2000, le name-dropping était encore généralement mal perçu à New York, où à l'exception de beef officiel, les attaques restaient largement subliminales. Or, tant que les allusions de 50 concernaient d'autres MC, les conséquences ne se bornaient qu'à la sphère hip-hop. Le problème, c'est que dans sa folle lancée, il s'était aussi laissé aller à faire fuiter les exploits de quelques gangsters, et pour certains encore en activité. Mais même s'il est clair qu'en les évoquant, son ton était nettement plus révérencieux que pour les rappeurs, ces voyous étaient loin de tous bien le prendre. Et c'est quelque chose qui pouvait assez facilement se comprendre, puisque la première chose que tente de fuir un criminel en liberté reste de toute évidence l'attention médiatique. Et sans même qu'ils s'en rendent compte, c'est exactement ce que 50 créait autour d'eux. Alors passé les premiers encouragements de certains, d'autres en appelaient plutôt à ce qu'on lui cloue le bec une bonne fois pour toutes. Et c'est exactement la position sur laquelle se trouvait Supreme en cette fin d'année 1999. Kenneth McGriff, dit Supreme, était l'une des principales figures du crime organisé à New York dans les années 80. Il était à la tête d'une des équipes les plus illustres de son époque, la Supreme Team. Supreme McGriff était originaire de Baisley Projects à Jamaica, Queens, c'est-à-dire le même quartier qui avait vu grandir le jeune 50 Cent à cette période. Je ne vais pas revenir ici sur la relation longue et complexe qu'il a existé entre Supreme et 50, teintée un temps à la fois d'une forme d'admiration, d'affection, puis de rejet. J'ai fait une série sur le sujet il y a quelques mois, et quand je la réécoute aujourd'hui, je me dis qu'elle mériterait sûrement quelques précisions supplémentaires. Mais pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite quand même à y jeter un coup d'œil. Toutefois, pour faire simple ici, après un long séjour en prison, Supreme avait recouvré la liberté courant de la décennie 90. Et ce qui avait davantage retenu les attentions à ce moment, c'était son choix de s'associer à Ja Rule et son label Murder Inc., autrement dit les futurs ennemis jurés de 50 Cent. Naturellement, lui, il vivra comme une trahison de la part d'un OG qu'il avait vu grandir et qui avait jusque-là fait office de grand frère pour lui. Mais lorsqu'au début de l'an 2000, 50 s'apprêta à faire sortir ce qui devait théoriquement être son premier album chez Columbia, les mots qu'il avait pour Supreme étaient encore empreints d'une estime sincère. Le truc, c'est qu'il ne pourra pas s'empêcher d'aller mettre tout ça en musique, et il enregistrera un titre assez controversé que vous connaissez, Ghetto Coron. Un morceau en l'honneur de nombreux gangsters notoires pour lesquels 50 exprimait son respect. Or à ce stade, comme je vous l'ai dit, Supreme venait de sortir de prison quelques années plus tôt, et évidemment qu'il gardait pour objectif principal de rester en dehors du radar des fédéraux, et ce d'autant plus qu'il venait de renouer avec certaines activités illicites. Mais voilà qu'un merdeux s'était mis à bêtement étaler son linge sale en musique, avec en prime la machine de guerre qui était Sony derrière lui pour le promouvoir. Par l'intermédiaire de connaissances communes, Supreme fera parvenir un message à 50, et qui se résumera de manière très laconique. Ne parle pas de moi dans tes sons. Le souci, c'est que Ghetto Coron était déjà parti pour intégrer le tracklist final de l'album. À côté de ça, 50 était la source d'une autre emmerde pour Supreme. Depuis une bonne année déjà, il s'était engagé dans un beef aux répercussions quelquefois sanglantes contre les mecs de Murder Inc. Or, si vous vous souvenez, Supreme avait pris le pari de rejoindre les rangs de Ja Rule et Irv Gotti en tant que figure tutélaire pour le label. En matière de hip-hop, un gangster certifié est toujours la meilleure caution morale qui vaille. L'histoire prouvera que sur ce coup, Supreme n'avait pas eu le nez creux, mais en 99, qui pouvait imaginer ce que serait la trajectoire du jeune Curtis? Alors, sentant que cette embrouille pouvait potentiellement remettre en cause ses investissements avec Murder Inc. si elle dégénérait, Supreme fera dire à 50, « Ces mecs sont mon gagne-pain, laisse-les tranquilles. » Mais vous connaissez la suite, et ce clash avec Ja Rule continuera à monter en puissance tout au long de la première moitié de la décennie 2000. Alors sur la base de ces différents contentieux avec 50,
La solution à l'équation était simple pour Supreme, et elle s'imposait. Fallait simplement faire taire ce rappeur. Ce 24 mai 2000, une équipe s'était mise sur pied pour venir cueillir 50 presque au saut du lit. Alors qu'il sortait de la maison de sa grand-mère pour aller rejoindre des amis en voiture, une rafale de balles à bout portant était censée venir changer le cours de l'histoire musicale. Mais certainement que le destin a également eu son mot à dire. Et après plusieurs opérations chirurgicales, les médecins avaient réussi un miracle. Leur patient aura la vie sauve. Sur son lit d'hôpital, plusieurs témoignages confirmeront à 50 l'identité du tireur. Un certain Daryl Baum dit Homicide ou Homo pour sa propension à semer la mort autour de lui. Ce que je dis maintenant n'a rien de nouveau et j'avais déjà eu à le raconter dans un autre sujet. Mais c'est à cet instant que les chemins bifurquent, puisque cette histoire est systématiquement racontée de la perspective de 50 et Supreme. Alors pour cette fois, je vais vous inviter à regarder dans une autre direction. Aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que Homo n'avait strictement rien de personnel contre 50 Cent. Il n'est même pas dit que les deux se soient un jour déjà rencontrés avant ça. Daryl Baum était venu remplir un contrat pour lequel il avait été payé, rien de plus. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut comprendre la première ligne de 50 sur Many Men. Lorsqu'en s'adressant à Supreme, il lui indique d'aller se faire rembourser parce que le job n'a pas été correctement fait. Niggas put money on my head, gone get your refund, motherfucker, I ain't dead. And gone get your refund, motherfucker, I ain't dead. I'm the diamond. De manière assez logique, on l'ergote toujours à propos de 50 dans cette fusillade. Mais personne ne parle vraiment de Homo. Alors c'est ce que je vais entreprendre ici. Pour que vous compreniez comment son histoire nous relie directement avec les événements relatés dans le premier épisode, je vais vous demander de faire un retour sur image quelques instants plus tôt. Homicide fait marche arrière et part se rasseoir dans son véhicule, son flingue sur les genoux, tandis que 50 lui est toujours en train de rire avec ses amis. Daryl Baum a vu le jour en 1967 dans le quartier de Brownsville à Brooklyn. Son enfance est tristement banale comparée à celle d'un tas d'autres gosses noirs des quartiers pauvres de New York City des années 70. Assez tôt, il se fait connaître des services de police pour des actes de vol ou de vandalisme, puis très vite, il passe un cran au-dessus. À 12 ans, c'est un visage découvert déjà qui dépouillait ses victimes. Une droite bien placée, il repartait son butin à la main, que ce soit de l'argent ou des bijoux. Mais en grandissant, la violence s'est intensifiée dans ses méfaits. Et en même temps que les coups de poing ont cédé la place aux flingues, les braquages ont aussi pris le pas sur les raquettes. C'est dès le cours de son adolescence que Daryl s'est vu affublé du surnom de Homicide, principalement en raison de sa brutalité. À 13 ans, son casier judiciaire avait déjà l'allure d'un bottin téléphonique. Et c'est à peu près à cette période qu'il sera envoyé dans le centre de détention pour mineurs de Spofford dans le Bronx. Pour votre information, cet établissement qui existe toujours même s'il a changé de nom, pour un jour légitimement prétendre à être érigé au statut de musée, au vu du nombre impressionnant de célébrités et notamment de rappeurs, qui le temps d'un séjour y ont posé leurs valises plus jeunes. À ce titre, Spofford reste une référence indéboulonnable d'un tas de classiques du hip-hop new-yorkais. Et c'est là-bas que Daryl nouera une amitié pour la vie avec un autre gamin de son âge et qui ne tardera pas à se faire connaître du monde entier, un certain Michael Gerard Tyson dit Mike. Dans son livre Iron Ambition, Tyson revient sur la profonde complicité qui l'unissait à Homicide pendant leurs jeunes années à Spofford. Ma mère en avait marre de cette vie de délinquance que je menais parce que ça me faisait passer de plus en plus de temps à Spofford. Cet établissement qui a pour véritable nom Bridges Juvenile Center est en fait un trou à rats infesté de bestioles en tout genre situé sur Spofford Avenue dans le quartier de Hunts Point dans le Bronx. Mais se retrouver là-bas, c'était comme passer du temps avec d'anciens camarades de classe où tout le monde se connaissait. Lors d'un de mes séjours, alors que je venais de fêter mes 12 ans, on nous a diffusé un film, The Greatest, un long métrage de 1977 où Mohamed Ali interprétait son propre rôle. J'aimais le style d'Ali, mais j'étais pas du tout un fan de boxe à cette époque. Je préférais les catcheurs comme Bruno Sammartino ou Killer Kowalski. Mais regarder un biopic sur Ali dans une salle pleine à craquer avec une centaine d'autres gosses à Spofford a été une expérience unique pour moi. Tout particulièrement car lorsque le film s'est fini et que les lumières se sont rallumées,
tout d'un coup, Ali est apparu sur scène en chair et en os, et la foule de gosses que nous formions laissait exploser sa joie. Là, Ali nous a expliqué avoir lui-même déjà connu la prison et avoir presque perdu la tête en détention. Puis il nous a dit un tas de choses belles et inspirantes. Ce jour-là, ces mots ont déclenché quelque chose en moi. À cette époque, je marchais main dans la main avec mon pote Daryl Homicide Bomb qui s'était retrouvé incarcéré en même temps que moi. Les gars de Brownsville se serraient toujours les coudes. Un jour, on m'avait dit qu'un négro originaire du Bronx installé dans le dortoir d'à côté avait sur lui une chaîne en or. Alors avec Homo, on s'était mis en mission pour aller le délester de son ornement. Dans l'équipe, c'était moi le voleur, tout le monde me connaissait comme Mike, le voleur de Brownsville. Le plan pour dépouiller le mec de sa chaîne était de l'attendre à la sortie du gymnase. La plupart des gars ne retiraient jamais leurs bijoux, ils les gardaient sur eux. Homicide et moi étions donc allés nous poster devant la salle de sport, et là Homo a aperçu le type. Alors je me suis dirigé vers lui, et bien que le négro paraissait tranquille, soudainement il m'a allongé d'une droite en pleine gueule, je l'avais pas vu venir celle-là. Alors sans que je comprenne, Homo lui est tombé dessus avec sa spéciale et là, boum, le négro s'est retrouvé au sol et là on s'est mis à le rouer de coups ensemble avant de le dépouiller de ses bijoux. Avant et après que Mike devienne l'une des plus grandes icônes du sport sur cette fin du 20e siècle, Homicide et lui garderont une très forte proximité. En 1986, au moment où Tyson remportait sa première ceinture lors d'un combat culte contre Trevor Berbick, devenant ainsi le plus jeune champion du monde de l'histoire de la catégorie poids lourd à seulement 20 ans, Daryl venait tout juste d'être à nouveau incarcéré. Daryl avait été condamné à une peine de 2 à 6 ans pour braquage, ce qui restait encore une sentence acceptable. Le problème, c'est que Baum tenait à faire honneur à sa réputation de gangster, même en prison. Et le résultat, c'est qu'il finira par voir sa condamnation alourdie à cause d'agressions contre plusieurs codétenus que les surveillants pénitentiaires avaient signalées. Et la peine initiale de 6 ans se transformera en 15 ans de détention. Homicide sera libéré de prison le 31 décembre 1999. Il sera bien sûr chaleureusement accueilli par sa famille et ses amis, parmi eux le champion du monde Mike Tyson. Malgré la distance, les deux avaient gardé une relation intacte, et Tyson le présentait toujours comme son meilleur ami. Alors pour célébrer son retour, il s'était montré particulièrement généreux à son égard. En cadeau de bienvenue, il lui avait offert une Mercedes rutilante, une Rolex et bien d'autres bijoux. Mais plus important encore, pour le détourner de la rue, Tyson lui avait réservé un emploi au sein de son équipe de sécurité. La réalité, c'est que c'était avant tout un moyen de l'occuper tout en lui assurant une rémunération légale. Parce que, comme disait un proche, tout le monde savait que Tyson n'avait pas besoin de sécurité. Malheureusement, les mauvaises habitudes ont la vie dure, et les sirènes de la rue finiront par rappeler Homo. Et c'est exactement là qu'est le point de confluence avec le premier épisode. Dès les premières semaines qui vont suivre sa sortie de détention, Homicide va tisser une nouvelle alliance et qui s'avérera mortelle. Elle se fera avec un certain Ivory Peanut Davis, dont je vous ai déjà longuement parlé dans la première partie. Encore aujourd'hui, le fondement même de cette alliance reste très flou. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis la condamnation de Daryl en 86, de nouvelles figures du crime avaient émergé à Brooklyn, et Peanut Davis était l'une d'entre elles. Malgré ses 15 ans à l'ombre, l'aura de Daryl Baum restait comme immaculée dans la street. Les mecs étaient au courant de son passé, connaissaient son pedigree. Donc à son retour, comme le veut la tradition pour un OG, beaucoup lui tendaient la main en lui proposant de l'argent ou des services en tout genre, avec davantage l'intention de rester dans les bonnes grâces de ce tueur notoire que par un altruisme spontané. La vérité, c'est que même avec tout ce temps écoulé, Homicide faisait toujours peur. Et c'est sûrement cet aspect de son personnage aussi que recherchait Peanut. Parce qu'il fera la suite de cette histoire, vous réaliserez vite le caractère absolument exceptionnel de cette photo que vous voyez en fond d'écran si vous êtes sur YouTube, témoignage de leur amitié nouvelle. Mais pour ceux qui les connaissaient à cette époque,
tout le monde savait que rien de bon ne pouvait accoucher d'une association entre Daryl Homicide Bomb et Ivory Peanut Davis. Et les prophètes de malheur ne tarderont pas à voir leurs prédictions se confirmer. Ce que je vais dire maintenant n'a jamais été formellement établi par la justice, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais il se murmure que dès mars 2000, Supreme McGriff aura approché plusieurs hommes de main pour une mission particulière, régler le cas 50 Cent. Et parmi l'équipe constituée figurait Homicide qui agira dans les conditions décrites un peu plus tôt. Je vous ai déjà dit que cette histoire est à tiroir, mais encore une fois, faites-moi confiance et je vous promets qu'à la fin, tous les chemins se rejoignent. En ces premiers jours du printemps 2000 à New York, comme déjà raconté, le complot pour tuer 50 était minutieusement en train de se monter. Mais au même moment, et c'est ça l'élément qui viendra enrayer la machine, les rues de New York comptaient un revenant parmi ces gangsters, un certain Damien World Hardy. Et si vous avez attentivement suivi le premier épisode, vous vous souvenez qu'en juin 99, c'est-à-dire moins d'un an plus tôt, son grand frère Wise avait été tué sur Lafayette Street. Et l'assassin toujours en fuite à ce stade n'était autre que Ramel Davis, c'est-à-dire le neveu de Peanut. Alors je pense que vous pouvez facilement imaginer l'état d'esprit de World à sa sortie de prison. Le dernier pas de porte du pénitencier franchi, le gars n'avait qu'une seule chose en tête. Venger la mort de son frère et fumer tous ceux qui avaient pris part. Et si Ramel restait introuvable, Peanut serait parfait pour payer l'addition à sa place. Mais le problème, c'est que depuis la mort de Wise, un nouvel obstacle était venu se dresser sur la route menant à Peanut. Et cet obstacle s'appelait Daryl Homicide Bomb. Homo était connu pour avoir aucun état d'âme à buter des mecs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Supreme l'avait approché pour abréger le séjour de 50 Cent sur Terre. Donc le fait que Daryl Bomb et Peanut Davis soient devenus si proches voulait dire une chose très simple. Pour atteindre le second, fallait d'abord se débarrasser du premier. C'était l'ordre logique et naturel des choses. Homicide n'était pas un objectif en soi, mais juste une étape sur le chemin vers Peanut. Parallèlement, il existe un autre point que j'avais brièvement abordé dans la première partie, et que vous avez même sans doute oublié, mais pour lequel World n'a pas eu la mémoire courte. Dans l'épisode précédent, je revenais notamment sur le meurtre du père de Taz, l'un des plus proches associés de Wise et World dans leur équipe. J'expliquais que la victime avait été abattue lors d'un braquage raté, dont l'auteur est un certain Tyrone Bomb, dit T-Rock, le grand frère de Daryl. Et je reprécise quelque chose qui aura son importance plus tard. Début 2000, lorsque World sera libéré, T-Rock était toujours en train de purger sa peine, et par conséquent à ce stade, il était clairement hors du champ d'action des différents protagonistes. Mais autant vous dire que ce vieux souvenir de la mort du père de Taz ne constituait qu'une raison de plus pour World dans sa volonté d'éliminer Homicide Bomb. Et je vous le dis tout de suite, il mettra pas longtemps à passer des paroles aux actes. Le 10 juin 2000, il était un peu plus de minuit et les premiers jours d'été se faisaient déjà sentir. Donc à cette heure de la soirée, de nombreuses rues de Brooklyn étaient toujours animées et c'était le cas également sur Quincy Street à Bed-Stuy. Ce soir-là, Daryl était venu retrouver de vieilles connaissances puisque c'est dans ce quartier qu'il avait passé une partie de son enfance. Il venait de rentrer de 15 ans derrière les barreaux, donc ses moments simples à papoter et traîner avec ses potes, c'était un plaisir qu'il retrouvait tout juste. À son retour, il avait été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang par son ami Mike Tyson. Et donc, comme le décrivaient certains, ce jour-là, Homicide scintillait comme une boule à facettes sous le poids des bijoux. Soudainement, une voiture s'est garée au niveau du croisement avec la rue de Marcy, à quelques mètres de là où il se trouvait avec son groupe d'amis. Plusieurs témoins diront qu'une femme était au volant, et bien que son identité reste floue dans les différents écrits que j'ai eu à lire, il semble assez clair que Daryl la connaissait plutôt bien, puisque c'est sans la moindre retenue qu'il s'était dirigé vers elle. Arrivé à son niveau, il s'était penché sur la portière dont la fenêtre était ouverte pour discuter en tournant le dos à la chaussée, donc impossible pour lui de voir les voitures qui passaient sur la route. Et c'est cette scène qui fera penser à de nombreuses personnes, encore aujourd'hui, que ce qui va suivre n'était autre qu'un guet-apens dans lequel cette femme a clairement servi d'appât. Quelques minutes plus tard, un véhicule s'est mis à ralentir à la hauteur de Daryl, et une main armée d'un flingue en est sortie avant que des coups de feu claquent dans la nuit.
Les douilles retrouvées par terre témoigneront de la violence de l'attaque. Homicide avait notamment été touché à l'arrière de la tête. Plusieurs de ses amis présents sur place sont alors accourus pour lui porter secours. Ils finiront par l'installer tant bien que mal dans une voiture et le conduire en direction de l'hôpital Kings County de Flatbush à Brooklyn. Il y arrivera dans un sale état et les médecins feront vite part de leur pessimisme. Il avait été grièvement blessé. Dans toute cette confusion, une infirmière qui connaissait Daryl, et plus particulièrement sa sœur Zaka, lui retira sa Rolex du poignet et d'autres bijoux pour les mettre en sécurité. Il semblait qu'on avait crapuleusement tenté de les lui enlever après la fusillade. Et à y voir de plus près, sa chaîne incrustée de diamants avait carrément disparu. En se faisant le rappel du déroulé des événements, sa sœur Zaka en arrivera à la conclusion que l'unique moment où son pendentif avait pu se volatiliser était pendant son transport vers l'hôpital. Ses prétendus amis n'étaient visiblement pas blancs comme neige, et c'est ce qui fera dire à Zaka plus tard que parmi eux, certains étaient nécessairement déjà au courant de ce qui se préparait. Daryl Homicide Baum s'accrochera à la vie pendant quelques heures encore, avant de s'éteindre ce 10 juin 2000. Il était 10h du matin. Daryl avait été libéré de prison le 31 décembre 1999, et 6 mois plus tard seulement, son corps gisait déjà dans un bac à la morgue. C'est aussi intéressant de noter que cette fusillade dont il avait été victime ce 10 juin est intervenue à peine quelques semaines après celle dont il avait supposément été l'auteur contre 50 Cent le 24 mai 2000, soit très exactement 17 jours plus tard. Tout ce contexte vous permettra donc certainement mieux d'apprécier cette ligne de 50 dans Many Men, que vous ne réécouterez plus jamais de la même manière. Homo shot me and 3 weeks later he got shot down. Homo m'a tiré dessus et 3 semaines plus tard il lui arrivait pareil. Alors c'est clair que si je suis encore en vie c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que tout comme moi il est tombé sous le feu des balles, mais la différence c'est que lui ne respire plus. Shot me 3 weeks later, he got shot down. Mama shot me 3 weeks later, he got shot down. Now it's clear that I'm here for a real reason. Comme une coïncidence troublante, ce meurtre intervenait à 48 heures près, un an jour pour jour après celui de Wise Hardy. L'enquête de police identifiera 3 suspects dans cette affaire. Damien World Hardy comme le commanditaire, Eric Moore alias eBay comme le tireur, et Zare Sarkissian dit Puff comme le conducteur de la voiture. Ils étaient tous connus pour être des membres actifs du gang CMB. Les flics feront également ressortir un autre nom, celui d'Edward Cook dit Taz, qui pour les raisons que j'exposais plus tôt avait aussi des motivations bien personnelles, avoir 6 pieds sous terre le frère du meurtrier de son père. Il restait désormais simplement à savoir si la justice parviendrait à officiellement établir le lien entre la mort d'Homicide Bomb et l'équipe de World, mais sachez-le dès maintenant, ce sera une autre paire de manches. À ce niveau de l'histoire, la machine est lancée et plus personne ne pourra l'arrêter. La sortie de prison de World Hardy a donné un sérieux coup d'accélérateur aux événements. Après la tentative loupée d'assassinat sur le rappeur 50 Cent, c'est une fin brutale qu'a connu l'auteur présumé des faits, Daryl Homicide Baum. Une mort prématurée que même son meilleur ami Mike Tyson n'aurait pas imaginée. Ceux qui sont un peu familiers du parcours de Tyson savent que sa vie n'a pas été celle d'un gangster accompli, mais c'est sans aucun doute le chemin naturel qu'il aurait emprunté si les choses avaient été quelque peu différentes pour lui. Donc vous pouvez être certain que les premiers instincts remonteront vite à la surface. Et en ce mois de mai 2000, même encore sur le toit du monde, il n'avait aucune intention de se contenter de pleurer la disparition de son pote. Les flingues devaient cracher, et World devait être payé, mais pas sûr que Tyson mesurait vraiment l'étoffe des mecs en face. Une guerre dont 50 Cent fera à nouveau les frais, comme on le verra dans la suite de cette série. C'est la fin de cette deuxième partie. La mort de Wise a poussé World dans un cercle de violence sans fin. Il lui fallait assouvir sa vengeance à tout prix, alors à défaut d'atteindre le meurtrier de son frère, tous les membres de son entourage étaient devenus ses cibles. Sauf qu'en s'en prenant à Homicide, sans même le réaliser, c'est un nouveau front que World venait d'ouvrir, et tout particulièrement contre celui que les médias surnommaient encore Iron Mike.
comment Tyson ira venger la perte de son ami Daryl. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Encore une fois, pour me donner un coup de main dans ce travail d'investigation, vous pouvez y contribuer en parlant d'interludes hip-hop classiques autour de vous et en partageant ce contenu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez bien sûr me les poser sur les réseaux, Insta ou Twitter notamment. Je tente de répondre personnellement tant qu'il m'est possible de le faire, donc si parfois il m'arrive de prendre un petit peu de temps, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. En attendant la troisième partie, portez-vous bien et je vous dis à très vite.